On est encore tout aussi motivé, déterminé à faire entendre la voix des travailleurs. Cette réforme est toujours aussi injuste et brutale. On représente essentiellement, nous, les salariés de l'agroalimentaire, donc des salariés qui sont amenés à travailler dans des conditions difficiles, des conditions pénibles. Et on sait que de reporter encore cet âge de départ à la retraite à 64 ans va être particulièrement compliqué pour eux. Je dirais que certains vont dire que ça fait beaucoup de lutte et qu'on arrive à la fin. Mais non, la lutte est permanente. Le plus important, c'est le combat, c'est de se battre pour les droits parce qu'ils sont en permanence atteints, acquis, remis en question. Il a fallu des années pour les construire. Et là, en relativement peu de temps, on voudrait tous nous les détruire. Eh ben non, on continuera à se battre sous une forme, sous une autre. Mais de toute façon, le plus important, c'est de ne pas se laisser faire.